Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Pour une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Donc ici, écoutez votre cœur, il saura vous guider vers la bonne personne, vers la bonne décision, vers la bonne situation également. Donc écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure, elle sera bonne conseillère en tout cas. Voilà pour vous, amis taureaux. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de passion, cet amour est brûlant et passionnel. Alors, soit vous êtes déjà dans une relation qui est passionnelle, qui est brûlante, qui est caliente, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre ce genre de relation, avec qui vous allez pouvoir vraiment développer une passion. Ça va vraiment être une relation très forte, très attractive. Attention, parce que les relations qui sont passionnées et passionnelles ont tendance à ne pas durer dans le temps. Mais ça vaut la peine d'être vécu quand même. Donc ici, oui, vivez ce que vous avez à vivre avec cet amour passionnant, cet amour brûlant, cet amour pimenté, cet amour caliente. Ici, on vous dit quoi? Ouvrez votre esprit. Alors peut-être qu'ici, certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes fermés à ce genre d'amour parce que justement, vous dites, bah oui, mais c'est connu que la plupart du temps, les amours passionnés, les amours passionnels, ça ne dure pas. Ben, on vous dit quand même d'ouvrir votre esprit parce que ça serait dommage de passer à côté de cette amour, à côté de cette expérience, à côté de cette relation-là. C'est une relation qui va vous apporter énormément. Alors, je ne dis pas que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir finir votre vie. Peut-être que pour certains et certaines, oui. Peut-être que la passion laissera place à un amour beaucoup plus profond et à une complicité vraiment réciproque entre vous, mais en tout cas on vous dit oui, ouvrez votre esprit par rapport à ce genre de relation. Ça serait dommage de vous passer de vivre une belle passion parce que justement vous avez peur que cette relation ne dure pas. C'est pas grave si ça dure pas, mais vivez ce que vous avez à vivre, vraiment ouvrez votre esprit par rapport à ça. Soyez ouvert et ouverte à une relation qui va être forte, qui va être passionnelle, qui va être passionnée, qui va vraiment vous faire découvrir peut-être la passion aussi. Alors, on en a tous une idée de la passion, mais tant qu'on ne l'a pas vécue, on ne sait pas ce que c'est. Donc ici, oui, vivez ce que vous avez à vivre, même si c'est une passion qui ne dure pas. Alors, elle ne dure pas, ça veut, on n'en sait rien, ça va peut-être durer un mois, ça va peut-être durer 6 mois ou 1 an. Vivez ce que vous avez à vivre, oui, ouvrez votre esprit par rapport à ça et ouvrez votre cœur également. De toute façon, écoutez votre cœur, c'est ce qu'on vous dit, il va connaître la réponse. À mon avis, si vous interrogez votre cœur, il va vous dire « vas-y, vas-y, vis ce que tu as à vivre et tu te poseras les questions plus tard ». Ici, pour d'autres taureaux, on vous parle de quoi? On vous dit de prendre du recul par rapport à une situation, hein, peut-être par rapport justement à une situation passionnée. Peut-être qu'ici, vous devez prendre du recul peut-être par rapport à une relation qui vient de se terminer. Peut-être que vous devez prendre du recul par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie, qui vous plaît, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire avec cette personne, si vous voulez quelque chose de sérieux ou pas. Donc ici, on vous dit de regarder les choses sous un angle différent. Peut-être que vous êtes avec cette personne, peut-être que vous êtes disputé, et on vous dit prendre du recul par rapport à ça, ne t'emballe pas, réfléchis, ça ne sert à rien de précipiter les choses, de précipiter les réponses également. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami taureau. Et ici, on vous dit, on parle de travail. Alors, il y a deux messages ici. Alors moi, il y a deux messages, on me transmet deux messages. Soit cette relation dans laquelle vous êtes ou dans la relation dans laquelle vous allez entrer, c'est une relation qui va vous faire énormément travailler par rapport à votre passé sentimental, par rapport à des choses que vous aviez peut-être pensé qui étaient guéries, mais qui ne le sont pas. C'est une relation qui va faire ressortir, attention, hein, si vous n'êtes pas guéri, si vous n'avez pas fait vraiment un travail de guérison sur certaines blessures que vous avez pu avoir, cette relation va vraiment vous faire travailler là-dessus. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul et vraiment de regarder les choses sous un angle différent, de regarder ce que cette relation vous fait travailler exactement. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ou alors, vous voulez de prendre du recul parce qu'il y a une personne qui est dans votre secteur professionnel qui vous intéresse, ou cette personne s'intéresse à vous. Alors, peut-être que vous n'avez pas forcément envie de vous engager avec quelqu'un justement qui travaille avec vous.
qui gravitent dans votre secteur professionnel parce que vous n'avez pas envie que les gens aient un regard sur votre vie privée. C'est possible et ça se respecte, hein, bien sûr. Mais en tout cas, ici, oui, regardez les choses sous un angle différent. Est-ce que ce serait vraiment dramatique d'être avec une personne qui travaille avec vous? Alors, peut-être qu'elle ne travaille pas forcément dans le même bureau que vous, peut-être qu'elle travaille dans un autre secteur, dans un autre bâtiment. Peut-être qu'elle travaille dans la même société que vous, mais vous n'êtes pas dans le même secteur géographique aussi. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Et écoutez votre cœur, il saura vous donner les réponses et les objectifs à suivre également. Ici, on vous parle de, oui, vous êtes en train de vivre une relation passionnelle où vous allez pas tarder à le vivre. On vous dit de prendre du recul par rapport à ça. Oui, parce que vous allez vraiment vous emballer. Et c'est ce que je vous disais, attention, vous allez vous emballer. Mais attention, ce n'est pas forcément les relations les plus passionnées qui durent le plus longtemps. Donc attention à ça, prenez du recul, donnez ce que vous avez à donner, mais sachez garder quand même la tête froide. C'est exactement ce qu'on vous dit ici, sachez quand même garder la tête froide par rapport à cette relation que vous êtes en train de vivre. Donc regardez les choses vraiment sous tous les angles différents. Sachez vraiment ce pourquoi vous vivez cette relation, parce que c'est une relation passionnelle, il y a vraiment une attirance irrésistible entre vous. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ça, l'autre non plus. N'oubliez pas d'écouter votre cœur, et il saura vous dire exactement ce qu'il en retourne. Ce recul aussi, c'est peut-être votre cœur qui va vous dire, attends, ok, tu veux vivre quelque chose de fort, mais prendre du recul quand même par rapport à ça. Ne t'emballe pas trop non plus, c'est pas... T'as quelque chose à vivre avec cette personne, mais c'est pas avec cette personne que tu vas construire. Peut-être que vous allez avoir ce genre de message ici si vous prenez du recul et si vous regardez les choses vraiment avec avec un œil différent en fait. Hein. Ici, on vous dit ouvrez votre esprit par rapport à une personne qui est dans votre secteur du travail. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Peut-être qu'ici vous refusiez peut-être d'avoir une relation avec quelqu'un qui travaille avec vous ou qui est dans votre sphère professionnelle. Et on vous dit ouvrez votre esprit. Ça serait dommage de vous priver d'une jolie relation, d'une belle relation, parce que c'est une relation qui va pouvoir durer, qui avec qui vous avez, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de sérieux. Et donc ouvrez votre esprit par rapport à ça. Et il est temps peut-être de regarder exactement ce qu'il y a à côté de vous. Les gens vous voient. Alors vous, peut-être que vous les voyez pas parce que vous vous êtes mis des ornières, mais c'est dommage de vous passer peut-être à côté d'une belle histoire d'amour. Voyez comment ça peut résonner en vous, amis taureaux. Faites attention à ça. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre message? Mon ancienne relation fait partie du passé. Donc ici, vous, ça y est, c'est fait. Vous avez clôturé le dossier des ex. Vous êtes prêt et prête à redémarrer vers quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt et prête à redémarrer une nouvelle relation. En tout cas, si vous êtes déjà en relation, vous vous apercevez que la personne avec qui vous êtes en relation, avec qui vous êtes en train de construire une belle histoire d'amour, n'a rien à voir justement avec tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc vous avez compris maintenant que vous êtes guéri et que vous êtes prêt et prête à accueillir pleinement cette nouvelle relation. Vous êtes prêt et prête à vraiment construire pleinement cette relation aussi. Peut-être que c'est l'autre personne aussi en face de vous qui, lui ou elle, a clôturé aussi tout ce qui concernait ces histoires du passé. Donc c'est une personne qui est vraiment là pour accueillir la nouveauté, accueillir un nouvel amour, accueillir de nouvelles expériences aussi dans sa vie. Donc ici, si vous êtes tous les deux dans les mêmes énergies, vous avez clôturé chacun de votre côté votre passé, il y a tout qui est fait pour que ça marche entre vous. En tout cas, il y a tout qui est fait pour vous aider à avancer dans une nouvelle histoire d'amour qui pourrait être constructive. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il est temps de déposer vos bagages émotionnels. Ben, c'est ça, hein. Maintenant, ça y est, vous allez pouvoir déposer vos bagages émotionnels, vos rancœurs, vos regrets, votre tristesse, votre mélancolie, parce que ça y est, vous avez guéri, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour, à de nouvelles rencontres, vous avez vraiment envie de vivre votre vie, vous savez que votre passé, ben, fait partie de vous, vous a aidé à vous a construit. Et vous a construite, vous a aidé à progresser, mais ça y est, ce n'était qu'une étape de votre vie, et vous êtes prêt et prête à poursuivre le voyage de l'amour. Et c'est tant mieux, mais c'est tout ce que je vous souhaite.
Et si oui, et en déposant les bagages de vos émotions, bah, vous allez avoir des compréhensions. Ça va vous permettre de faire la lumière sur certaines choses qui se sont passées aussi. Ça va vous permettre encore plus de progresser et de comprendre peut-être les erreurs que vous avez commises par le passé. En tout cas, ça va vous permettre ici de vous ouvrir à de la nouveauté. En plus, on me dit également que pour d'autres ici, bah, c'est parce que vous allez peut-être avoir... Il y a quelqu'un qui va peut-être vous faire, qui va vous apporter des explications. Il va peut-être avoir quelqu'un qui vous a fait la lumière par rapport à quelque chose, à des incompréhensions que vous aviez peut-être encore par rapport à une relation. Alors vous dites, bah, de toute façon, je les aurai jamais, ces explications, c'est pas grave. Il est temps maintenant que je passe à un autre chapitre de ma vie. C'est possible. Mais en tout cas, pour certains et certains d'entre vous, on me dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va vous apporter des explications. Et ça va vous permettre de clôturer une bonne fois pour toutes un certain chapitre de votre vie. Vous allez être prêt et prête à accueillir de la nouveauté et vraiment à avancer sur le chemin de votre vie. Oui. Ça y est, vous avez tiré un trait sur votre passé. Votre passé fait partie du passé et vous avez envie d'écrire, d'attaquer un nouveau chapitre de votre vie amoureuse. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que bah, gardez un cœur léger, sentez-vous joyeux, joyeuse. Oui, profitez de la vie. Même si vous êtes célibataire, soyez heureux et heureuse d'être célibataire, d'être bien dans votre cœur, d'être bien dans votre corps, d'être bien dans votre tête, dans vos baskets. Rayonnez le bonheur, oui. La vie est belle, quoi qu'il se passe en ce moment, la vie vaut la peine d'être vécue. Donc oui, et en plus on vous dit que vous êtes protégé. Avec la plume ici, c'est la plume des anges qui vous dit que vous êtes protégé. Donc vous avez tout pour être heureux et heureuse. Et pour les personnes qui sont en couple, bah oui, sentez-vous heureux et heureuse. Vous qui débutez une relation, soyez heureux et heureuse. En plus, votre relation, elle est protégée. Et on vous dit, alors là c'est pour les célibataires surtout, le message c'est garder espoir. Oui, c'est ce que je vous ai dit, vous avez clôturé votre passé, vous êtes prêt et prête à écrire un nouveau chapitre de votre vie amoureuse et on vous dit oui, bah c'est bien. Donc soyez heureux et joyeuse et joyeux, gardez espoir, il y a quelque chose qui vient vers vous, hein. Soyez serein et sereine, vous allez être guidé vers un nouvel amour. Donc gardez confiance en la magie de l'amour, gardez confiance en la magie de la vie. Gardez confiance en votre propre magie. Soyez serein et sereine. Soyez en paix par rapport à tout ce que votre vécu. Vous allez être guidé. Il va y avoir une nouvelle rencontre. Alors, ce ne sera pas cette semaine parce que ici, vous allez avoir les compréhensions qu'il faut justement pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités de rencontre, en tout cas. Et vous allez comprendre qu'ici, ça y est, vous êtes prêt et prête à accueillir la nouveauté dans votre vie. Donc c'est plutôt déjà pas mal hein, quand on en est à ce stade-là. Donc ici, oui, vous allez accueillir une nouvelle personne, mais vous allez l'accueillir sans avoir envie de la comparer à vos ex ou quoi que ce soit. Vous êtes vraiment ouverte à la nouveauté et vous êtes prêt, quoi. Ici, on dit que vous avez déposé vos bagages émotionnels et ça va vous donner vous allez vous sentir léger et légère. Vous allez vous sentir heureux et heureuse. Ça y est, vous respirez, vous revivez, vous renaissez vraiment. Et oui, bah, vous allez vous ouvrir à l'amour, vous allez respirer, c'est la joie de vivre. Forcément, quand on est dans ces énergies-là, on a envie de croquer la vie à plein dents et on a envie de, ça y est, de renaître à l'amour et de revivre une belle histoire d'amour. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis vierges. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles compréhensions, bah, ça y est, que vous êtes prêt et prête à revivre une nouvelle vie amoureuse. Vous allez faire la lumière sur certaines choses, vous allez comprendre, regardez ces 3-10, ça y est, vous êtes prêt et prête à accueillir la nouveauté, à accueillir une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle personne dans votre vie. Ici, on vous dit que gardez espoir, oui. Alors, ça va peut-être demander un petit peu plus de temps que vous ne le pensez, que vous l'espérez, vous. Il y a un timing pour tout. On vous dit, soyez confiant et confiante, soyez serein et sereine. Votre vie amoureuse, oui, est prévue de redémarrer. Il y a une personne qui est prévue pour vous. Elle est quelque part. Alors peut-être qu'elle est déjà dans votre entourage, mais elle ne le sait pas et vous non plus. Peut-être que cette personne a encore des choses à régler, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore présente dans votre vie. En tout cas, on vous dit, gardez espoir. Oui, vous allez revivre une belle histoire d'amour. Il va y avoir vraiment une belle histoire prévue de pour vous aussi. Donc ici, si d'ici la fin 2022, vous n'avez toujours pas rencontré quelqu'un, je vous encourage à faire pour vos voeux 2022 la rencontre d'une belle personne, d'une nouvelle personne, et vous allez voir ici, avec la baguette magique, votre vœu sera exaucé pour 2022. En tout cas, pour d'autres, ici, si vous êtes en couple, si vous débutez une relation, on vous dit que oui, c'est une relation qui va être lumineuse, hein, et on vous dit, soyez plein d'espoir, soyez serein et sereine par rapport à cette relation, vous êtes guidé. Ayez confiance, tout va bien se passer pour vous, amis vierges. C'est plutôt des jolies énergies.
Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici, quel est votre message? Je ne suis pas prêt ou prête, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Donc ici, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne en face qui n'est pas prêt à s'engager. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à vous engager dans une relation beaucoup plus sérieuse. Peut-être que vous aviez envie de rester sur ce ton de flirt, sur ce ton de relation, on se voit quand on a envie de se voir. Vous n'avez peut-être pas forcément envie d'approfondir la relation, d'approfondir les sentiments aussi. Donc ici, vous n'êtes pas prêt ou prête à franchir un cap. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Ou peut-être que c'est l'autre, peut-être que vous avez dit à l'autre, bah moi j'aimerais bien que notre relation devienne plus sérieuse, et c'est l'autre qui vous dit, oh là là, t'es gentille ou t'es gentille, mais moi je suis pas encore prêt, j'en suis pas à ce stade-là, tu me plais, oui, j'ai des sentiments, je sais pas si j'ai même, je sais même pas si j'ai des sentiments amoureux pour toi, oui, tu ne m'es pas indifférent, tu me plais bien, j'ai beaucoup, j'ai de l'estime pour toi, mais j'en suis pas au même stade que toi, donc attention à ça, ne lui en veuillez pas, hein, si cette personne est là, si elle a en plus cette franchise de vous dire qu'elle n'en est pas au même stade que vous, au contraire, c'est bien qu'elle soit honnête de reconnaître, alors qu'elle pourrait dire, ah bah oui, si tu veux, machin, et puis du jour au lendemain, elle vous ghoste et vous n'avez plus de nouvelles. Donc ici, voyez dans quel, faites preuve de discernement, voyez où vous vous situez. Est-ce que c'est vous qui ne vous sentez pas prêt ou prête à franchir un cap, ou est-ce que c'est l'autre personne en face de vous? Voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, c'est bien de le dire. Si vous, vous n'êtes pas prêt, dites-le. Si c'est l'autre qui n'est pas prêt et qui vous dit, ben, déjà, estimez-vous heureuse que cette personne soit et cette honnêteté, cette franchise, déjà, ça vous permettra à vous de prendre des décisions en tout état de cause. En toute connaissance de cause, plutôt. Ici, ben on parle de séparation, vous voyez? Donc, peut-être qu'ici, c'est parce que vous n'êtes pas au même stade. Donc, soit c'est vous qui allez initier la séparation, soit c'est l'autre personne qui va initier une séparation. On peut vous parler aussi d'une séparation physique. Donc, ici, ça peut être une vous allez peut-être vous séparer physiquement. C'est-à-dire que peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville. Donc, ici, ben, forcément, ben, y en a un des deux qui doit retourner chez lui parce que ben, vous travaillez, hein, vous avez un emploi, ou peut-être que vous avez des obligations aussi familiales, vous voyez comment ça peut vous parler. On peut parler des séparations physiques, ça peut être aussi ben, quelqu'un qui vous quitte du jour au lendemain, qui passe d'un monde à l'autre, hein, qui passe de l'autre côté. Ça arrive aussi, et ça peut être une séparation émotionnelle, ben, oui, peut-être qu'elle est, ben, oui. Là, on vous dit que bah, on n'en est pas au même stade. Hein. Vous êtes amoureux, l'autre personne non. Bah, vous dites, bah, écoute, ça ne sert à rien de continuer parce qu'on n'en est pas, on n'a pas envie des mêmes choses. Ou c'est vous qui allez dire, bah, écoute, on n'en est pas au même stade. Non, je suis désolée, mais vaut mieux passer à autre chose. Vaut mieux que tu passes à autre chose et moi aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler également. Ici, on vous dit que cette séparation, alors, si oui. Si vous n'êtes pas à l'initiative de cette séparation, quelle qu'elle soit, vous allez vous sentir rejeté et abandonné. Si c'est une séparation physique, dans le sens où la personne ben, n'a pas demandé à partir, mais elle part et elle passe de l'autre côté, vous allez vous sentir abandonné. Donc, vous allez vraiment voir ça comme vraiment ressentir ça comme un abandon. Ça va vraiment être quelque chose que vous allez très mal vivre dans un premier temps. Après, si c'est une séparation physique, bah oui, vous sentez abandonné aussi parce que cette personne doit repartir chez elle. Vous n'avez toujours pas trouvé de consensus pour savoir qui devait rejoindre l'autre ou comment vous pouviez faire pour vivre ensemble. Donc ça aussi, vous pouvez prendre ça comme un rejet malgré le temps que vous ayez passé ensemble. Donc oui, vous vous demandez finalement, est-ce que cette relation à distance vaut la peine d'être vécue? Vous voyez comment ça peut vous résonner en vous, peut-être que c'est l'autre personne qui va penser ça aussi, et si elle pense ça, bah peut-être que vous allez revivre ça comme un rejet aussi, peut-être qu'elle vous rejette, vous allez ressentir ça comme un rejet. Si c'est une séparation émotionnelle, bah forcément vous allez vous ressentir rejeté, donc ici oui, il va y avoir des peines de cœur pour certains et certains d'entre vous, vous voyez comment ça peut résonner, peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de situation, et vous êtes encore dans cette émotion de rejet, hein, dans cette blessure de rejet. Alors, effectivement, on parle toujours des blessures de l'âme et la blessure de rejet. Il y a peut-être la blessure de rejet et la blessure d'abandon. En tout cas, cette situation-là, vous les faites travailler. Vous voyez comme ça peut vous parler. Si vous avez une blessure d'abandon, une blessure de rejet, cette situation vous fait exactement travailler votre blessure. C'est pour vous faire avancer. Hein. Donc oui, vous allez avoir de la peine, vous allez en vouloir à l'autre personne. Ou, vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est pour vous faire avancer, c'est pour vous faire avoir les compréhensions nécessaires pour évoluer et pour avancer dans votre vie. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner en vous, ami Capricorne. Ici,
On vous parle de quoi? On vous parle de retrouver la paix. Vous allez retrouver quand même la paix. Alors, soit parce que il y aura eu un choix de fait, vous allez dire, mais bah non, mais moi je ne peux pas continuer parce que je n'ai pas les sentiments pour cette personne, ou je ne peux pas continuer avec cette personne parce qu'elle n'a pas les sentiments pour moi. Donc, à partir du moment où vous allez prendre la décision, peut-être que c'est vous ou c'est l'autre personne qui allez prendre la décision, mais quoi qu'il en soit, vous allez retrouver une paix en vous parce que vous allez savoir que c'était la bonne décision, que c'est quelque chose qui est juste, que c'est juste pour vous, que c'est juste pour l'autre personne également. Donc, ici, on fait la paix avec soi, on fait la paix avec son cœur, on fait avec la paix avec l'autre également. Donc, ici, oui, on se sent en plus léger et légère et on a envie de vivre sa vie et d'accueillir de nouvelles choses ici, de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, de sortir avec ses amis ou de se retrouver en famille également. En tout cas, on se sent en paix. Vous sentez la paix envahir votre cœur parce que vous savez que finalement, ce que vous, les émotions et les sentiments que vous avez ressentis n'étaient peut-être pas forcément juste par rapport à l'autre personne ou c'était peut-être pas juste par rapport à vous également. En tout cas, vous avez de la considération pour vous et vous savez reconnaître justement que vous ne pouvez pas continuer dans cette situation, quelle qu'elle soit. Et on vous dit qu'il va y avoir un changement. Oui, vous ressentez la paix en vous, ben oui, il va y avoir un changement. Alors soit vous allez rencontrer une personne qui va avoir envie, si vous avez envie de construire quelque chose, vous allez rencontrer une personne qui va avoir envie de construire une relation, qui va avoir envie d'une relation sérieuse. Donc vous allez amorcer un changement. En tout cas, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en vos émotions. Il va y avoir une guérison qui va s'opérer également. Donc ici, par rapport à ça, hein, par rapport au fait que ben, vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde l'autre, mais en tout cas ici il y a un changement qui s'opère où vous allez rencontrer une personne qui est exactement dans vos énergies, que ce soit une énergie, ben, on se voit pour le plaisir, on se voit pour être ensemble, voilà, ou alors que ce soit une énergie pour vivre quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus constructif aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez de quel côté vous êtes. Hein. Ici, on vous dit quoi? Ben, on vous dit que par rapport à une séparation, vous allez retrouver la paix. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler. Hein. Si vous avez perdu quelqu'un, si vous avez cette personne est partie dans l'autre monde, comme je dis, ben, oui, si c'est récent, forcément, vous n'allez pas retrouver la paix de suite dans votre cœur parce qu'il y a quand même différentes phases avec le deuil à dépasser. Mais sachez que tôt ou tard, vous allez retrouver la paix dans votre cœur. Maintenant, si c'est une séparation physique, que ce soit par rapport, bah, vous n'êtes pas au même lieu géographique, bah, vous allez retrouver la paix, vous allez vous dire, bah, oui, mais ça n'empêche pas les sentiments aussi, surtout si cette personne vous aime et vous l'aimez, vous en êtes sûr. Donc maintenant, à vous, vous allez retrouver cette paix dans votre cœur parce que vous êtes sûr de vos sentiments, vous êtes sûr des sentiments de l'autre. Maintenant, à vous de voir comment vous pouvez faire pour changer la donne et pour vous rapprocher géographiquement aussi, pour vivre ensemble, si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire et de mettre en place dans votre vie. Si c'est par rapport à une séparation émotionnelle, bah oui, vous allez faire ce qu'il faut pour guérir, pour panser votre blessure et pour retrouver la paix dans votre cœur, pour retrouver de la stabilité, pour remettre de l'équilibre dans vos sentiments et dans votre vie aussi. Par rapport à ce sentiment de rejet que vous avez pu ressentir par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Oui, il y a une guérison qui s'amorce. Vous reprenez confiance en vous, reprenez confiance en votre cœur, vous reprenez confiance dans la vie. Et oui, il y a vraiment un changement qui vient vers vous. Alors, ce changement, c'est vous qui allez l'initier parce que vous aurez fait ce qu'il faut pour guérir, vous aurez fait ce qu'il faut pour comprendre d'où vient cette blessure de rejet. Vous aurez fait ce qu'il faut justement pour ne pas rester dans cette blessure-là, ami Capricorne. En tout cas, il y a un joli changement qui vient vers vous. Et on me dit ici, alors ce sera pas pour le mois de décembre pour certains et certains d'entre vous, ce sera pour le mois de janvier. Il y a vraiment une possibilité d'une jolie rencontre ici, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour faire quelque chose de durable, en tout cas. Vous voyez comment vous voyez où vous en êtes dans vos émotions et dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.